parti pour 50 km de plaisir. Allez, c'est départ, 50 km, la légende de Brocéliande, allez, let's go. Voilà, on arrive sur le motocross, alors ça va être compliqué là, ça va faire que monter, descendre, monter, descendre, la cata. On va bien en chier, ça va bien tirer le mollet. Allez, première avito, 1h12, 10 bornes. Et à tout à l'heure. Voilà le trail de légende de Brocéliande. Donc, j'ai fait qu'un quart du circuit, hein. Pas complètement. Trail hyper, hyper exigeant. Déjà, au 8ème, le motocross. Le tour du circuit du motocross, il est pénible. Apparemment il y aurait une cote à plus de 45%. Alors je sais pas, mais ça piquait. En même temps, c'est ce qu'on est venu chercher. Bon, après parcours top, génial le tracé. Bon, je vous ai dit, hein, super exigeant. Il y a des endroits où ils nous ont mis des cordes pour nous aider. Merci à l'organisation. Voilà, c'est pas simple. Voilà. On essaye de... À l'heure actuelle, 11h55. De rester dans un rythme. Je sais pas si je suis bien placé, mais je m'en contrefou. Je me fais plaisir avant tout. Voilà. Allez. Tout à l'heure les petits loups. Bon, j'ai déjà fait un peu plus d'un semi-marathon. Parce que je vais au 22e. Bon. C'est dur. Oh. C'est 21 km. C'est dur. On a ravito. Ils nous ont dit que c'était le première partie était plus technique et plus dure. Voilà, et que maintenant ce serait un petit peu plus facile. Bon. Logiquement. Si je continue sur ma lancée, que je me blesse pas, je devrais pouvoir passer la barrière de temps, ce que j'avais pas pu faire au trail du bout du monde, ce qui m'avait pour le coup un peu foutu le moral à zéro. Voilà. Donc j'essaye de pas perdre trop de temps ravito. Voilà. Ouais.
See you.